Xavier Batch, Cercaire, Cercaire multi-interess, Paris Calourota en travail sous la Papouasie, vous d'accord? Ouais, Papouasie. Ouais, mais vous avez beaucoup pété le nôtre. Et Pierre-Jean Bernard, Pigeot, Père de Zébine, qui est Alourota archiviste à Montpellier. Et toutes les douces travaillent sous la Cansoum. Et la Cansoum, nous récréons les Cansoums manuscrites, qui y a les bandes partout, qui ne sont pas encore connues et éditées. Comme un intérêt à la Cansoum, nous avons par là des sorties de la Cansoum et le silence. Donc là, ici la parole. Merci, Marisa. Ok, alors, même faccio un petit titolo qui est un peu humoristique, mais un titolo d'un colloque, alors, la Cansoum et le silence. Et Luiso Paoli a conseguito l'edizione della rivista d'Etat e lo aveva scritto di Cansous, direttamente. Avendo oggi tutte le esprimazioni musiche di Cansous, dei poemi di Luiso Paoli e musica, ma lo ne scritto, speriamo, a questo accompagnamento di piano. Dunque, nella salsa di presentare ancora il tuo, è un aspetto più disponibile di l'opera di Luiso Paoli. Les Cansous sont inédites, il y a une d'éditable, dit la liste d'État, qui est des poèmes, mal éditable, mal copiable, manque une mesure, à même, il y a des fautes partout de l'accompagnement, mais à même sociale. Et il y a forcément des poètes de son temps qui font des tests de Cansous, et Steve ne fait pas vraiment sur Daïve et Conegut, c'est plus clair, mais d'autres avec des compositeurs, Boussac avec François Breteuil, Estivo a Medeo da Zebrac, d'autres encore. Mais la seule, que ça pièce, da quel moment à qui tu stava la guerre, qui est composé per carne et per piano sur ce poème, et je vous ai dit, il va falloir qu'il commence des tests d'identité, pas sur des tests d'identité. Dès qu'on en parla, Luiso Paoli parlé de la musique, un peu son rapport à la musique, on a parlé de sa lecture, mais l'éthique de la musique. Le rapport de la musique avec sa poétique, le fait, la question de Luiso Paoli quand il écrit des paroles pour d'autres, et bien, il y a un peu de ici. Et pour commencer, donc, le rapport de Luiso Paoli à la musique. Ce qui est calçable, c'est que Luiso Paoli est un musicien, un pianiste, bon, une formation modeste. Ils disent toujours qu'il est pauvre, qu'il n'a pas eu la possibilité. Trop de possibilités d'apprendre le piano. Il écrit à Salvat, par exemple en 1936, la musique, dont la légitime des peines, parce qu'il y a presta, et autant dire sous l'être. La même maman est trop pauvre, et la fadouna de l'issou, quand il y a le moment. L'unique professeur qui a eu la rencontrée, qui avait mal de 30 ans, est un aucle qui aimait beaucoup apprendre l'harmonie, mais n'a pas eu l'aise, etc. de continuer. Donc, elle a une connaissance de la musique bon, qui dit qu'elle est légère, mais quand on a découvert la musique, elle a une connaissance méprisante. Donc, elle joue des pianos, et dans le journal ou dans sa lettre, mentionne sa pratique, donc un piano à Boustal, et donc parle notamment des Mozart. Et joue des sonates souvent, donc notamment donc, ici une sonate de Mozart, sonate à la majeure, et donc il lui fait penser un peu à des réflexions un peu poétiques. Donc cette sonate en majeure que toutes les bonnes élèves moyennes apprennent et que j'y rentre, je l'appellerai printemps d'avril, etc. etc. Et ce qu'a aimé surtout, c'est l'écouter la musique. Hein. Perel, le grand compositeur, des compositions des musiques classiques, surtout le blues allemand, le Michael Mingus, imprimé Jean-Sébastien Bach, le Mozart, Ségur ou Beethoven. Il avait mis cela qui est une réflexion patch à Charles Bédé en 1941. L'autre jour, j'ai eu le bonheur d'entendre le concerto pour violon et orchestre de Mozart et d'être en état de l'entendre, je veux dire être en état de grâce. Je crois qu'on ne peut savoir toute la force et la vertu de la joie qui est équilibre et harmonie que si l'on entend Mozart. Mozart est important, et avec une compositrice française, Fauré, Gabrielle Fauré, est une des villes esthétiques qui est plus proche des Luiso Paoli, et avait écrit un journal,
qui a eu un projet de recueil qui se dirait au poème coréen. Digne de ce compositeur, l'humain original est Beléo Jean Sibelius. Alors, Jean Sibelius est un compositeur national finlandais qui est en France à quelle époque pas tant qu'on existe tant qu'accord, mais Sibelius a une esthétique t'avais comme forêt qu'est-ce qui est proche de Louis Apolli, qui est une écriture plan moderne, mais pas tant avant-gardiste, qui est une écriture à la tant mélancolique et assez simple, et qui se lie au bord de l'harmonie. Et on peut faire une parallèle avec le livre utilisé par Louis Apolli, par exemple, qui est la liberté d'écrire. Et donc, l'univers de Louis Apolli est la musique, ça aussi, mais la radio, mais la TSF, qui est une soustaine d'une retirade à Réalmont. Elle écoute souvent donc, les concerts des musiques classiques et dans son journal entre 36 et 38, note tout ce qu'elle écoute. Donc, ce sont des compositeurs dans les romantiques, Liszt, Berlioz, Weber, Chopin, et françaises, donc Saint-Saëns, Debussy, Ravel, les russes, mais importantes, Prokofiev, Krasunov, Rimsky, et t'avais d'autres anciens comme Haydn, Couperin. Et à tout ça, la musique classique, il y a la cantique traditionnelle occitane, qui a une gousse particulière par Acco. Donc, Acco l'écrit à Salvat, qui quelques trosses des lettres. La cantique populaire, Sun, Amnavechai, la plus belle, Aimigari, Reloukan, il y a que la cantique populaire qui est contente. Les accords de la musique classique et surtout de la musique symphonique, où, qui lui agrade, et per Kant est la scansu populaire, est le Kant traditionnel. Kant découvre le recueil, le chant languedocien et pyrénéen à l'école de Jérôme Mellet, c'est un ébou qui demande, qui offre le recueil, et découvre la scansu des Dins, et per elle est une cantamène, et découvre surtout la Bressaïrole, et un sage donc de l'égir de la scanta, et pour elle est une merveille. Et c'est avec la même cause pour la cançon de Jeanne Laimé, qui est avec laquelle recueille le chemin de dossier entraîné à l'école. Donc pour elle, le point important est la simplicité du calme et à quelle formule qui nous semble essentielle pour caractériser la scanso traditionnelle des res tira humide. Et donc, pour continuer un peu, Marie-Jeanne l'a pas expliqué, qui fait des pistes sur le folklore et l'Angleterre, surtout de l'année 36, et à cause faire une recherche pour le jeu fleuro scolaire, donc c'est pas le Jocs Florhaus de Toulouse, mais à quel des collèges occitanes est organisé par Pestieux, donc dans son pays à Fendeil et Moragues, et obtient donc le premier prix, le prix d'argent en 36. Et à quelle musique, toute à quelle musique, est importante pour son œuvre et pour tout ce que Louis Apolli a dit. Il y a quasi une terre d'institut de l'œuvre qui fait référence à la musique ou à la danse ou à une forme cantada ou une forme musicale. Et c'est énorme, il est pour tout. Et ça, c'est un dit le texte de ce poème, il est absolument pour tout. Quand c'est ce pas que peut cambier aussi. Utilise aussi quelques codes de métrique de cançons traditionnelles. Des métriques qui en français ne sont pas tant à l'homme utilisées, les lettres syllabes, c'est pas ce qui compte en français à le mot plat, mais de la cançon traditionnelle, des souvenirs. Et, comme je dis tout à l'heure, continue en français des trosses de cançons traditionnelles, pour l'état, ou aussi, un peu en tout. Et c'est intéressant parce qu'il fait un peu de part avec ce que Jean Boyer fait quand il dit qu'il restaure des cançons traditionnelles. On prend une trosse qui a été lue et recrée une possible cançon traditionnelle. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand commence à composer un cycle, je ne compose pas des poèmes, je compose des cançons, je compose des musiques à mes textes. Et tous ces premiers poèmes, je les bénis à mes mélodies.
Els dos pirmiers són bressaïrols. Has parlat, Marijana, de la bressaïrola, el meu nen està empolit. És en fait aquell son primer poema que és notat de la part del jornal que és inédit i que és a la biblioteca d'Anna. I aquí vegem que és son primer passat de poema enunciat a la fi de 34. On te dit, je vais transcrire le poème languedocien comme je l'ai chanté l'autre soir à maman dans l'auto au retour de Toulouse. Et à qui s'y en tient au cas juste en domaine, on te risque plus d'être. Et je m'en vais ça. Alors, à qui est une photo d'un manuscrit dans le cahier de musique, qu'on a parlé à peine, et je la cançonnette d'Adil. Mais est-ce que la composition dans le texte et l'écriture dans le texte se font sur le manuscrit musical et c'est là le travail de Luisa Pomme. Souvent, on a des mesures en propre de son travail. Ici, on a le test en travail, avec tous les corrections qu'il a faites. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai dit, mais par exemple, cambio mon dieu per adieu. Je le répète ici, que tant agrada a per vos adieu, adieu, que bel trouvail, ayo commencé per mon dieu. Et il cambia. Et ayo titulé tacó, cam de dol, per commencer. Que veu que cançoneto de dir. Lucy Brier, bon, hem parlat aquest matí de la forma Cibrier i Supressier, aquí vegeix clarament la col·lecció ajustada al manuscrit. El test de contra no l'ha pas obligat, gaire. Allà, just aquella col·lecció, mais que se vegeix de lo tregem complet, aquí hi ha tot un Cibrier, la pas col·lecció. Considero la música com un poema i la poesia com una música. Els dos bo en sèrie. Parlo dins un jornal un moment de la poesia de Baudelaire com de la música pura. Dic també que qualque cop és pas un mot d'un verbos o un mot d'una cançó tradicional que no està venint un poema, mais de música. I aquí, en parlant d'un, a prepar de text, parlo de Jean-Sébastien Bach. J'ai été aidé dans mon poème par le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, mais mon poème n'en garde presque rien, hélas. Quel art suprême, où il semble que l'art soit absent tant la simplicité y est parfaite, et cette aisance dans les développements, cette profusion d'eau vive encore, pour être accès de l'eau vive aussi, là voilà la poésie naturelle, spontanée, et cependant suprêmement ordonnée. Trouvaillit, Soudaïra, voulio cantar, et une des motifs que torna de la lettre, est que volan a dire la scar dans le monde, et le milieu médecin de dire des poèmes dans le monde, et c'est tout cantar. J'aimerais chanter au coin des rues et faire chanter tout le monde. Et puis, je suis corps, et j'aimerais aussi tout le contraire. Chanter pour un tout seul et dans un langage mystérieux qui serait peut-être entendu, j'allais dire, exaucé. Et probablement que le can, le bibliothèque, comme le biais de pouvoir diffuser son œuvre, que j'ai dit demain, mais c'est pas quasi pas. Il y a une attestation d'une occasion que je souhaite. Souhaite aller par Aulier, mais alors, par Aulier en français, pour deux cançons un peu étranges. Dos cançons que sont premiades au concours de cançons de l'association Léopold Bérard, qui fonctionnait d'un viatge un peu étrange. Il y a eu d'abord un premier concours pour ce test de cançons, et après un second concours pour des mélodies sur ce test des premiades. Fait que rencontrons probablement pas Henri Rire, avec ce joli nom, ni Régis Duplessis, dont on ne sait rien, mais à quel Henri Rire souhaite l'orchestrature de la Jouperette de Francis Lopez. C'est lui qui a orchestré la Belle de Cadiz. Bon, c'est cool, à l'époque il avait 3 ans, c'est un mignon. Mais après il y a peut-être une bonne carrière. Et à quel je pouvais créer de la TSF. Donc il y a peut-être quand même un résumé. Je pouvais premier taper une autre test et qu'en de la chanson de la Colombe, mais à quel je pouvais parler de musique. Et la seconde, donc, chanson pour rire, une musique de Régis Duplessis, une tentation. Avec qui la partie de la chanson pour rire et la chanson de mariage. La chanson de mariage, c'est un texte traditionnel. La pie veut se marier, c'est pour rire, c'est pour rire. La fille veut se marier, c'est pour rire, elle pour pleurer, elle épousera le jet, etc. Un motif tout à fait différent. Sous un français, mais pleurer, c'est une petite c'est dire, c'est dire, chanson. Mais c'est tout doux, j'aime pas une petite tâche pas plaisir. Alors, la cançons qui compose pour la musique. D'abord le manuscrit, c'est un cahier de musique industriel, tout simple, en format un petit peu plus caca. C'est à la bibliothèque d'Albi, sorti dans le fond du docteur Campan. Il y a une patine au Cherdo, dont il y a la ligne, j'ai payé l'autre patine pour faire des tests ou faire des dessins ajustés. Et ici, il y a une autre, 7 parties où j'ai testé, et il y a 3 qui sont sous C.
et d'illustrer sous les quatre premiers poèmes qu'il écrit. Donc il y a le même nom de Saint-Jobin qui n'avait pas la musique parce qu'il ne l'écrivait pas, et après il y a les trois premiers poèmes, et ces quatre sont les quatre premiers que mando à Pere Bosch dans sa correspondance. Donc je passe toute une visite ici, et le même disait que pâtissait pour écrire la musique, c'est compliqué, la mélodie est belle, l'accompagnement est belle, mais pâtisse pour écrire. Il y a aussi sur le manuscrit des correctifs qui semblent que sont postérieurs. Et dit l'édition de la revue d'État, c'est qu'on est que le monde a voulu lisser la musique. Ça grince, hein. Vous allez entendre tout à l'heure, c'est, ça grince méchamment. Mais ici, le Zézé Route, c'est une correctif qui faria un accompagnement plus plat. Il y a une autre collective, oui, complètement harmonique. Alors, okay, sur l'accompagnement, il se passe tant d'harmonique que pas. Okay, donc, probablement des collectifs postérieurs parce qu'ils ne sont pas des. Mais comme vous avez dit à quel manuscrit, sur des poèmes d'autres. Et intéressant, vous pouvez présenter. Alors, ça, on travaille d'abord, c'est le Lousmestre de Louis Apauli, donc Prosper Estieux. Alors, on pose sur 12 textes de Prosper Estieux, qui sont des textes inédits. Alors, le premier, c'est l'Isbène des Mortes, mais sur la partition, on veille un premier qui dit Camp des Mortes. Pas qui. Et à quel poème, est composé en 36 et Salvat Escrit, Escrit à Louis Apauli, le 8 février, et disent qu'il y a Ben des Mortes à Mazamet. Cantat per Eugène Sivra, donc le nom de l'Opagès, et dit que Fouguet subrevait. Donc, à quel poème, à quelle musique a plu à Grada, et répond à quoi, sous plat contente que Ben des Morts vous aggrave, qu'al dire que quand il voulut écrire l'accompagnement, à l'Egypte tourna, sa vie carpasse cante de sonat, sonatine, et méritera pas à la verme à une grande folle. Ça qu'est là, est place in plot à quel air des Ben des Morts, et dégussanira y cerca Mozart, Beethoven et les Russes. A cagu tout à quel monde pour écrire à quel air bruit. Et on montre, montre que la difficulté qu'a un pauvre à écrire, à composer, à mettre en musique, et surtout à écrire l'accompagnement, à ce temps-là, hésite à quoi, et d'une à quelle partition des Ben des Morts, qui est plat. Plat original, qui est un peu étrange, et c'est, et la musique se sentit à quel buff, à quel bend, on met les triolets, un rythme haletant, vraiment, et avec et un passage avec une montée, avec un accord un peu de quête augmentée, donc vraiment dissonant. Et à tout ça, donc, un texte vraiment tragique, et à tout ça, bien sûr, à cause d'une Bressaïrole, une Bressaïrole composée de nous per, toujours per Estive, la Drôlette à sa costume, et bon, à qui la mise en musique est mais, disons, simple, mais dans la tradition, et on a beau ensaja des Ossalcanta, on met l'accompagnement. Prégale à la Sainte Vierge et Glaizette. Et on dit
de la correspondance à mes salvates, à un trapas juste sous la main, sur les dix des glaisettes. Et donc, non, escriguette. N'est plus là, autre dit Luca, presque à cava d'escrire le brun glaisette, tira d'une chaise d'ivoste, raille d'escrire la bouse des livres, une adalette et une passion, d'après la parole de Christian, donc toujours le même livre, sa mélodie, ou la dit Luca, accompagnement tabé, qu'elle a aussi, c'est comme c'est le phono. C'est le fond, la mécantave, mais c'est qu'à l'escrire. Donc il y a toujours quelle difficulté de mettre par écrit à quelle musique est toujours des casines à test. Et donc, finalement, il y aura une conservatoire parce que les deux partitions. On va quitter la ISEF. Ok, et mettez avec donc trois de ses poèmes en canson. Alors, il y a vraiment des mondes qui ont composé sur les poèmes de Luiso Paulí. Je ne suis pas sûr si que la liste aussi est exhaustive. Si ne connaissez d'autres bandes, c'est un plaisir. Mais connaissez toutes les disques de la Calvera, mais qui composent ici de Lodo ou de Rougier. Robert Anjalbal, Faguette de Bressaïmol, à quatre bouges. Louis-Noël Bellobre, Faguette un tombeau de Luiso Paulí, pour piano, clarinette, violoncelle et voix d'alto. C'est très joli. Il y a une partie de Jean Morin pour une corde à quatre bouges, Alfred Gramont de sept, Faguette avec de l'Altacille pour une chorale, et Laurien Cavalier de Faguette, comme des mailles, que ce soit pour le disque de Metz ou pour la Ralcoiffée. Alors, la Bressaïmol pour l'année est la canson que tout le monde avait de musique. Et c'est avec la solo qu'elle a déjà publiée à la musique de Luiso Paulí. Mais tu es juge, mais pas les résistants. Il y a comme une parenté entre la musique de Lodo et la musique de Luiso Paulí. Bon, à bien. Mais tant mieux que ce ne soit pas résistant, parce que la partie ci est fantastique. Vous faut passer un petit tros de la version de Lodo. Oups. C'est bon, là. La version de Rougier dit le même disque. N'irem pas à la nostro neno, que y a tant d'estelos al ciel. Oui. La version de Laurent Cavalier, la région morale de la part de Résistrade. N'irem pas à la nostro neno, que y a tant d'estelos al ciel. Le versi de Laurent Cavalier, cantato per la Marco Fé. La Bressaïmol est un second poème in città. Il y a la Bressaïmol per Nené et Abbey per la Nené. Juste al moment que commencent les courses. Le journal inédit qui dit au mois de décembre 34, écrit ce matin un poème, qu'elle va dire à la Nené. Un petit tour un peu différent. Et ici, donc, avec la partie du le cahier de musique, on a la salsa de la Bougesca. Aquí lo dice también que libera en canción. En 105, aquí el 2 de octubre,
Coup de feu, digestion, somnolence, il pleut sur les feuilles. Il faudrait écrire un Noël pour aider. Je vais transcrire le poème de Languedocien comme je l'ai chanté l'autre soir dans l'auto, au retour de Toulouse. La récit d'un manuscrit, il faut être travaillé à de bravo main, on passe des mundi ou à Adim, toute la seconde partie est gérée et écrite complètement. Mais d'abord, c'est qu'on a été pagé les comptes de la collectivité de Pervos. Face à ce collectif, après il manda Pervos, qu'après il doit passer. Avec Jacques le manuscrit, donc, j'ai toute la collectivité de Monsieur Magals. Et puis la collective, je comme un postérieur au Crayon Rousse ici sur Madrid, n'a pas tendance à écrire au Crayon Rousse et tout le reste, donc je suis pas au genre que sur Madrid. Et enfin, la dernière, le 13e poème que met en musique est Lucidrière, qui est une composition bravement plus complexe, et ce n'est pas une forme de canso qui tourne tout le temps, il y a deux parts avec un accompagnement. Escrit et composé en mai d'agost et septembre 36. Et ce que marque sur le manuscrit. Il y a une opinion erreur, dit le mandadis, qui fait d'aquel poème à Pervost, met la raouvette avant la bouquette, alors que dit son manuscrit original, met la bouquette avant la raouvette. Et donc, Pervost lui dit de cambiar, qui comme qu'elle fait, au lieu de sa fête, dit le sens. Et à qui, mes exemples, l'accaminement des douces cap à la même politique. Aquí, Lucy Prière, que préfère le suspensier personnellement, mais ce que disait à Limon et à Costa, vous passez juste le commencement de la versive de l'Odo. Oups. La versive de la Tarée. Bon, c'est gentil. L'aversif de Luisa Pauli, c'est pas gentil du tout. Alors, vous me pardonner parce que je n'ai pas une bouche d'alto et je ne suis pas cantaille. Bon, à sans ça, je vous fais écouter le commencement, mais à la fin, j'ai déjà dit l'accompagnement qui est gestable. Je suis précieux, dis-le corps, tout la prima. Et après, continue. Et donc, il savait la soupe, on dit qu'il y a des vocalises, déjà, ce qu'il y a des tourments plus compliqués. Il y a des triplets, il y a des rythmes qui nous parlent ensemble. Et je vais te dire, non, je ne pas, je vais te dire, 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 i pensant en un temps, i n'hi ha un que me reclamo, Laura, en aquell moment. Que arribareu també, torna a metre la música al centre de l'anàlisi de la poesia de Luisa Pauli. Hi ha tot això que l'exís, però hem vist també que l'exís de sonatos, l'exís de sonatina, pot dir això que vol se'l fa que pas un bon pianista, l'exís no sonat o se'l part d'ici, o se'l desolat, és difícil. Donc, conèix la música. I això fa una brava part de son treball. I, merci. Je voulais revenir sur Sibelius. Il y a quand même quelque chose, c'est que Sibelius, il va chercher la musique du peuple. Donc il y a la même. Comment dire, il y a une. On comprend qu'elle est une liaison de peine. Un contact avec Sibelius. Alors Sibelius, c'est pas Bartok. Sibelius, c'est pas vraiment la musique du peuple, c'est plutôt les textes épiques, le Kalevala. Donc lui, il s'inspire de ces traditions-là pour mettre en musique. Sa musique n'a rien à voir, vraiment, il emprunte
Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas, pas du tout des parties à la musique traditionnelle finlandaise. Du moins, c'est pas tant évident que ça. Quelques motifs, mais c'est pas. D'accord. C'est pas ça. Oui. Mais après, voilà, il se veut comme un chantre toujours voilà, du peuple et des traditions du peuple finnois, oui, avec ses grandes épopées. Ouais. Mais il y a un rapport là-dessus, parce que les mélodies que vous venez d'entendre, ce n'est pas du tout des mélodies traditionnelles. Ça ressemble absolument pas à des mélodies traditionnelles. C'est des mélodies des années 30. C'est des mélodies qu'on peut entendre chez les compositeurs de cette époque-là. Ah oui. Philippe, tu es censé tirer une conclusion de la journée. Alors, j'ai pas vu de questions. Je n'ai pas vu de questions, donc elle a tout.